Allez, salut, salut les gars, voilà. C'est toujours moi de Sam Hospital et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, comme vous le voyez là, je vous présente ici l'annonce en ce qui concerne une bourse coréenne à l'université UST, voilà, Université des sciences et de technologies en Corée. Donc, ici, comme ça, c'est une bourse qui concerne les masters et le doctorat. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, vous devez savoir que vous devez avoir, par exemple, comme ça, une licence déjà, voilà, une licence, ou bien si vous avez un master 1 ou bien master 2, vous pouvez reprendre le master ici, c'est pas un problème. Donc, vous allez faire un master ou bien un doctorat. Maintenant, ceux qui veulent par exemple comme ça postuler pour une licence simple, voilà, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas compté parmi les boursiers, donc vous devez le savoir. Alors, ici, c'est très simple, ce que vous allez faire, ce que moi je vais vous expliquer aussi est très simple. Pour pouvoir avoir cette bourse-là, vous devez juste, il n'y a pas, on ne postule pas à deux applications, on postule à une seule application, c'est-à-dire que vous postulez pour la licence, ou bien vous postulez pour le master et le doctorat, excusez-moi, c'est pas la licence, vous postulez pour le master et le doctorat, et lorsque vous avez une admission, ça veut dire clairement et automatiquement que vous êtes un boursier. Voilà, donc vous ne postulez pas à une bourse et aussi à une admission, non, ici c'est identique. Pour aller directement, on doit cliquer sur Online Admission System. Voilà, je vais mettre en français. Et je voulais rappeler aussi pour la langue, c'est en anglais ou bien en langue coréenne. Voilà, c'est en anglais ou bien en langue coréenne. Donc, ça va dépendre aussi des filières que vous allez choisir. Si la filière que vous allez choisir est en anglais, vous devez fournir un certificat en anglais. Ou bien, vous devez vraiment être bon en anglais pour faire de l'interview. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça, moi, je viens sur International Student. Voilà, pour voir un peu qu'est-ce qui se trouve là-bas pour que on puisse avoir plus d'informations pour ceux, par exemple, comme ça, qui veulent postuler et avoir une bourse. Voilà, donc ici, International Admission Guideline for 2004 Spring Semester. Donc, vous devez comprendre que déjà, ce que vous postulez actuellement, c'est pour la rentrée de janvier. Voilà, donc pour la rentrée de janvier, déjà, c'est ce que vous êtes là en train de postuler, c'est pour la bourse qui est là. Donc, la bourse, ça concerne les non-coréens ou bien les coréens qui vivent à l'étranger ou bien c'est une bourse aussi étrangère. Donc, ici, je viens par le bas. C'est pour juste voir un peu ce qui concerne les étudiants étrangers. Quelles sont les modalités que vous devez avoir et puis quels sont les éléments que vous devez mettre, par exemple, comme ça, en exergue pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, ici, je vais prendre, par exemple, comme ça. Ceux qui postulent pour un programme de doctorat. Applicants with a master's degree or were expected to receive one by 29 February 2000. Ok, for having qualification, greatest than master's. Donc, pour postuler à un diplôme de doctorat, vous devez avoir un master's. Ok. Et ici, ceux qui veulent postuler pour un master's, vous devez comme ça avoir un bachelor. Ok, vous devez avoir par exemple comme ça une licence. Ok, donc je vais avancer. Ici, je ne peux pas traduire. Si vous pouvez traduire, j'allais le faire pour vous. Donc, je ne peux pas traduire. Et ici, là, comme vous le voyez, application, admission. Donc, ici, l'admission commence à partir de quoi? À partir du 12 octobre. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre. Donc, ça veut dire que ça a déjà commencé. Et ça finit le 1er novembre. Donc, vous avez moins de 2 semaines pour pouvoir terminer le 1er novembre à 17h. Ok, donc ici, et une fois que vous avez soumis, voilà, les documents supplémentaires qui vont vous demander, c'est-à-dire s'il y a un document qui manque et que vous n'avez pas encore envoyé, vous pouvez leur envoyer entre le 10 novembre au 14 novembre 2023. À partir de cela, si cette date est passée, vous ne pouvez plus envoyer de documents. Donc maintenant, annonce of successful applicants, the first selection. Donc, la première sélection, voilà pour les résultats. La première sélection, c'est entre le 27
ici entre le 27 novembre, voilà. Donc à partir du 27 novembre, vous allez avoir les annonces pour la première sélection. Voilà, donc ceux qui vont postuler à partir du 27 novembre déjà, les résultats commencent à sortir. Ok, et lorsque c'est bon pour les résultats, vous allez pouvoir faire l'interview le 4, à partir du 4 décembre. Ok, maintenant, une fois que vous faites l'interview et que tout est bon, et que tout est bien fait, et que vous êtes admissible vraiment, alors l'annonce finale en ce qui concerne votre application, c'est le 22 décembre qui vont vous dire si vous avez une bourse ou bien une admission. Et comme je vous l'ai dit, l'admission veut dire la bourse. Donc vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas postuler et à l'admission et à la bourse en même temps à côté. Non. Donc c'est direct. Ok. Donc ici, j'étais là un instant. Je vais reprendre un peu ici. J'ai dépassé un peu les éléments pour ne pas vraiment que on aille vite en besogne. Ok, donc j'étais là, j'étais, je crois, ici. Ok, j'étais là. Donc une fois que c'est bon, maintenant ils vont commencer à vous enregistrer. Ok, donc j'avance un peu. Ici, oh, ceux qui ne sont pas coréens, je voulais vous montrer quelques éléments, mais bon. Ceux qui ne sont pas coréens, on va arriver un peu là. Voilà, ceux qui ne sont pas coréens, vous allez voir que si vous voyez là, vous remarquez très bien, il y a par exemple comme ça les filières qui sont ici. Les filières sont plus techniques, c'est-à-dire la biologie, biomédicale et tout, voilà, sciences océanologiques et tout ça. Donc, si vous voulez postuler, vous devez vraiment être dans le milieu de, vous voyez, ici c'est génie civil, environnemental, division biomédicale, division énergie nucléaire et tout. Donc, ce sont ces types de personnes là, d'étudiants qu'on a besoin ici. Voilà, donc quand vous voulez là, vous voyez là, mécatronique, robot, manufacture système, environment, energy, machining. Donc, ici, vous voyez, c'est assez important. Donc, vous devez vraiment être dans ces milieux-là avant de pouvoir postuler. Ok, donc, on va pas perdre le temps sur ça. Voilà, ceux qui veulent vraiment voir tous ces éléments-là, vous allez vous-même comme ça essayer de vérifier ces éléments. Voilà, et ici par exemple comme ça, voici comment est-ce que vous allez créer votre compte. Dans un premier temps, step 0, vous allez créer votre compte, voilà, et le consentement, vous allez remplir les éléments basiques. En second lieu, vous allez remplir vos éléments aussi et les éléments qui concernent votre cours ou bien votre diplôme que vous avez actuellement sur vous. Voilà. Et en deuxième lieu ici, vous allez remplir ici votre personal medical check, c'est-à-dire votre santé médicale. Voilà. Ça veut dire qu'il y aura des moments où ils vont vous demander comme ça de mettre des certificats médicaux. Voilà. Des tests aussi médicaux. Et ici, vous allez soumettre après. Vous allez soumettre aussi les documents dont ils ont besoin au step 4 ici. Voilà, et après cela, confirm application information, paye des application fee. Ceux qui ne veulent pas voir ça y est toujours là. On doit payer votre frais de dossier. Voilà, comme je vous l'ai dit, les frais de dossier, c'est maintenant une technique des universités. Quelle que soit la bourse qu'on va vous proposer, cette bourse-là, elle est à 100%, mais malgré tout ça, il y a des frais à payer, vous voyez, parce que il y a des études de dossier à faire. Donc, quel que soit ce qui va se passer, vous allez voir qu'ils vont vous demander tous des frais de dossier. Maintenant, dans toutes les universités, c'est comme ça. Voilà. Donc, après cela, je viens un peu vers le bas. Bon, on va aller rapidement pour aller chercher à postuler pour ne pas vraiment perdre le temps. Voilà. Donc, ici, on a pris l'annonce, on postule rapidement, on met les documents, l'annonce finale, et puis on s'enregistre. Ok, donc nous, on vient. Ici je me retiens un peu, voilà, et on vient dans Online Admission System. Voilà, donc je clique là. Ok, ça me renvoie là. Nous, c'est pour l'anglais. Nous, on va prendre l'anglais International Admission. Donc, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez suivre comme je fais, comme ça vous allez pouvoir vous en sortir. Ok, donc nous, on n'a pas vraiment de. On n'a pas besoin de mettre d'abord et de passeport. On n'a pas de password. Voilà, de mot de passe. Donc,
Comme on est nouveau, on va essayer de faire un sign-up. On va essayer de créer pour nous-mêmes. Et à la suite de cela, on va pouvoir maintenant continuer. Donc ici, je mets I agree. De toute façon, si vous ne mettez pas, vous ne pouvez pas avancer. Ok, et ça aussi, notice of provision of personal information provided by applicants. Ok, ça aussi, agree. I am well aware of the above mentioned facts and I agree to provide the above personal information. Ok. Ok, donc ici, moi je vais choisir un nom comme ça. Ok, et mon prénom, ça c'est pas la peine. Ça c'est le prénom. Ici, le nom de famille ici. Ok, et le mail, c'est ce qui est le plus important. Donc, je mets le mail que j'utilise chaque instant. Ok, donc ici, je remets le mail dans les normes. Ici, number. Bon, ça c'est pas la peine. Ça c'est plus enter the authentication numbers. Ça c'est pas la peine. Ok. Ici c'est email, send authentication number. Donc ici, je vais cliquer sur send et il va m'envoyer le numéro. Je vais mettre ici. Voilà. Donc ici, je vais envoyer rapidement comme ça pour pouvoir continuer. Voilà, je vais envoyer rapidement. Authentification number, regardez ici, has been sent. In case of multiple attempts to send only, please sure you check unique number of the authentication numbers, unique number one. Ok, donc ici, je vais aller voir rapidement dans mon mail ce que j'ai reçu. Voilà, je vais aller voir rapidement. Et ici, par exemple, si je mets le 1, vérifier. Vous voyez ici, ça a échoué. Vous voyez, ça veut dire que j'ai reçu un nombre ou un numéro que je dois, un code que je dois utiliser pour mettre là avant de pouvoir continuer. Ok, donc je vais rapidement pour aller chercher ce numéro. Ok, donc quand j'arrive là, je vois que j'ai reçu un code ici. Donc c'est le code qui est là. Voilà. Donc ici, c'est le code qui est là. Je prends ce code là. Je prends ce code. Ici, copier et je l'envoie sur la plateforme où j'étais auparavant, ici, et je mets ce code là ici. Ok, donc je vais vérifier le code rapidement. Ok, c'est un code qui est vérifié, donc c'est authenticité. Ok, ça va. Ok, maintenant je continue avec le password. Ok, je dois avoir entre 8 heures, regardez bien, entre 8 heures et 20 caractère. Donc je vais faire entre 8 heures et 20 caractères. Ok, ici aussi je dois utiliser aussi des caractères spéciaux. Donc ok, ici aussi je prends. Ok, donc ok, donc la date de naissance, étant donné que je viens pour un master, je vais considérer que je suis né en 2005. Voilà, donc ça va, c'est mieux comme ça, en 2005. Ok, 2005, le 5 octobre 2005. Voilà, lorsque vous choisissez, ça fait le 5 octobre 2005. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant essayer de faire un save ici. S'il y a un problème, ils vont me dire que j'ai un problème et je vais. On me demande si je veux enregistrer, je mets oui. Voilà, l'enregistrement a été complet. Ok. Donc, une fois que c'est fait.